Koya, bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête des traditions traditionnelles portugaises, comme chaque été à Onésous-Bois. Le temps est avec nous, même s'il est un peu venteux. Combien de monde attendez-vous à peu près aujourd'hui pour cette fête? Bon, on espère le faire mieux que l'année dernière. La dernière, on a reçu 4000 personnes. On espère le faire beaucoup mieux cette année. En plus, il y a le soleil. Dommage qu'il ne fait pas un peu plus chaud, ça tire un peu plus de monde. Mais bon, c'est un avant-goût des vacances du Portugal. C'est la dernière fête de l'année de la communauté portugaise en Île-de-France. Donc, je souhaite à tous nos Onésiens et d'ailleurs une bonne journée parmi nous à faire du pays à Onésous-Bois. La télévision portugaise est avec nous. C'est pour vous un honneur, j'imagine. C'est un honneur pour nous, plus qu'un honneur, parce qu'ils sont toujours présents avec nous. Et au niveau donc de la communauté portugaise, donc, qui est attachée à leur culture, à leurs racines, est-ce que vous pensez que parmi les gens que vous connaissez qui viennent à cette fête, est-ce qu'elles ne viennent que dans les sous-bois ou de toute la Seine-Saint-Denis, voire d'ailleurs encore? Ils viennent de la Seine-Saint-Denis, même d'ailleurs. On a déjà reçu des groupes qui viennent même du nord de la France, du sud de la France. Cette année, on a un groupe qui vient de Chaville, qui est parmi nous aujourd'hui, justement, ils viennent d'arriver là. Et là, au niveau de la communauté portugaise de Onésous-Bois, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup aussi qui viennent des villes des alentours. Et c'est un honneur pour nous de les recevoir ici à la ferme. En tout cas, bravo pour l'organisation et puis bonne continuation pour cette fête dans la joie et la bonne humeur. Je vous remercie. Puis pour rajouter une petite touche finale, oui. Cette année, j'ai décidé de faire un décor autre. Habituel des années précédentes. J'ai vu mettre à l'honneur la France, le drapeau de la France qui est partout cette année. J'estime que c'est la moindre des choses de représenter les couleurs françaises parmi nous, en sachant que la communauté française nous a énormément bien reçus en France. Pour moi, c'est un plaisir, un honneur de recevoir les Français parmi nous. Comme M. Correa, merci. Merci à